Voilà, alors donc c'est le lavoir du village des Vieilles Fourges. Bonjour mes petits camarades, nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 décembre 2022 et je suis parti me balader entre Bourg-Fidèle et les Vieilles Fourges. Bon, pour l'instant, je grimpe, hein. Et puis, donc voilà mon petit chemin dans les bois, et après je vais redescendre sur le lac. Bon bah, il fait pas trop froid aujourd'hui, il fait entre 0 et 1 degré. On a connu pire. Bon voilà, je redescends vers le lac. On entend un petit merle chanter. En fait, c'est deux merles qui se parlent. Ils ont mis en rayon les copains. Bon, je continue, hein. Bah, tout ça a été copieusement labouré par les sangliers. Voilà, voilà. Regardez ça comme c'est beau. C'est pas magnifique ça. Et ben pour moi, il n'y a pas plus beau. Hein. Là j'ai un pêcheur au loin, en barque. Une barque électrique, il fait pas de bruit de mec. Tranquille quoi. Tout là-bas. Alors comme il n'y a pas de chasse avant le 11 décembre, ben j'en profite pour faire la rive que j'ai pas l'habitude de faire, ou très peu l'habitude de faire, parce que avec la chasse on ne peut plus y accéder. Donc là comme il n'y a pas de chasse aujourd'hui, ben je me tape cette rive là. Donc ça, c'est la rive qui est en face de la petite plage du lac des Vieilles Fourges. Vous voyez, c'est un beau petit chemin, un bel endroit. Ça fait un bon paquet de kilomètres, puisque le tour complet du lac fait 10 kilomètres. Ah, c'est vraiment un endroit magnifique. C'est un endroit normalement touristique, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse faire la chasse à proximité d'un sentier de randonnée. Mais bon, il y a des choses qui m'échappent. Ça devrait être que dans le bois.